Été 1940. La France a perdu la guerre. L'armée allemande occupe la moitié du pays. Elle envahit toutes les zones littorales de Dunkerque à Biarritz. Elle envahit les côtes, les plages, l'arrière-pays. De la période de l'occupation par les nazis, reste aujourd'hui visible un peu partout sur la façade de la mer du Nord, de la Manche, de l'océan, les vestiges de ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique. Des blocos de béton, des casemates, des batteries. Plusieurs centaines de bunkers quasiment indestructibles, comme des mauvais souvenirs.